Nous de voir l'intérêt général. Mais lui, il défend des intérêts particuliers. Il est payé par des gens pour dire « Bon, tu fonces, tu nous fais le truc et puis tu convaincs les députés de la majorité. » Et malheureusement, ça marche parce qu'il est assez efficace. C'est ça le problème. Déjà, un lobby, qu'est-ce que c'est? Un lobby, c'est simplement un groupe de pression. On peut aussi parler de groupe d'intérêt ou de groupe d'influence. Dans les faits, le terme lobby désigne un groupe d'individus qui représentent les intérêts d'une entreprise ou d'une institution. Leur objectif est simple: influencer les lois, les réglementations, les normes ou les décisions pour qu'elles aillent dans le sens des intérêts qu'ils défendent. Ce sont en général des cabinets de conseil, des associations, des ONG, des organismes représentatifs ou encore, dans la grande majorité des cas, des sociétés privées. Si l'art d'influencer existait déjà à l'époque de la Grèce antique, on estime que l'apparition des premiers lobbies, tels qu'on l'entend aujourd'hui, remonte aux années 1800. En 1830, le terme lobby, comprend de couloir en anglais, désignait les couloirs de la Chambre des communes. Dans cet espace, de nombreux citoyens venaient interpeller les parlementaires sur divers sujets. En France, la perception de l'activité de lobbying est plutôt mal vue. Leurs actions, souvent obscures, sont vues comme douteuses. À l'époque où les lobbies apparaissent en France, la loi Le Chapelier, promulguée 2 ans après le début de la Révolution française, interdit aux citoyens partageant des intérêts communs de se rassembler. L'activité des lobbies va donc se développer sous le manteau. Aux États-Unis, c'est totalement l'inverse. À cette époque, la toute jeune République américaine autorise les citoyens à se rassembler afin d'exposer leur point de vue aux dirigeants. Ce processus d'influence allant des citoyens aux parlementaires est vu de manière positive. C'est à partir de 1957, date de création de la Communauté économique européenne, que le rôle des lobbies va prendre une toute nouvelle importance. À cette époque, de nouvelles institutions comme la Commission européenne sont mises en place. Alors toute jeune, leur importance, voire même leur légitimité, est remise en cause par les milieux d'affaires et la société civile qui composent une grande partie des lobbies. Pour asseoir leur autorité, elles vont donc avoir une idée novatrice, faire appel à l'expertise des lobbies pour les aider à prendre des décisions. Pour la première fois dans l'histoire de l'activité de lobbying, ce sont les institutions qui les sollicitent, et non l'inverse. Les principaux lobbies appartiennent à des multinationales. Or, on n'influence pas de la même manière d'un pays à l'autre. Ils se tournent donc vers ce qu'on appelle des capitales mondes. Les deux principales sont Washington et Bruxelles. Pour bien comprendre, il faut savoir que 80% du droit français résulte de débats européens. Aujourd'hui, les lobbies se sont si bien installés dans nos sociétés qu'ils touchent à tous les secteurs. Trois cependant sont leurs sujets de prédilection: l'économie, l'environnement et la santé, incluant notamment pharmacie, tabac, énergie, agriculture, armement et bien d'autres, tous étant des marchés à fort potentiel économique. Cependant, les plus petits marchés ne sont pas non plus en reste. Par exemple, les chasseurs et les taxis ont aussi leur lobby. Pour tenter de convaincre les parlementaires, les cabinets de ministres, le conseil constitutionnel, le conseil d'État ou même les assistants parlementaires, les lobbyistes vont avoir recours à plusieurs techniques. Ils peuvent développer des relations de proximité avec des décideurs politiques, en les invitant à déjeuner par exemple. Cette technique porte le nom de capture du régulateur. Ils peuvent aussi publier des rapports, émettre des suggestions à inclure dans la loi, ou encore diffuser des études scientifiques signées par des chercheurs de renom dans des revues spécialisées. Si les décideurs politiques prêtent souvent attention à leurs recherches, c'est avant tout par manque de temps, de ressources ou même de données. Ils doivent cependant garder en mémoire que ces données sont partiales et servent à défendre avant tout les intérêts des lobbyistes. L'activité de lobbying peut parfois s'avérer utile. Par exemple, lorsqu'une ONG présente un rapport de sécurité alimentaire qui alarme les décideurs sur de potentiels dangers. Présente à Bruxelles, ces associations à but non lucratif tentent d'influencer les législateurs afin de défendre les intérêts du plus grand nombre. On peut citer ici la Croix-Rouge, qui est une association d'aide humanitaire, ou encore WWF, qui défend l'environnement. Cependant, elle ne représente que 3000 lobbyistes sur les 30 000 présents à Bruxelles. Les lobbies sont plus généralement pointés du doigt pour être responsables de dérives démocratiques. En 2017,
des documents déclassifiés de la justice américaine ont révélé que Monsanto, l'entreprise qui commercialise le glyphosate, avait payé un scientifique pour publier en son nom un article préécrit par leurs équipes attestant de la non-dangerosité de leur herbicide. Cela est bien sûr jugé non éthique par la communauté scientifique. Cette pratique de truquer les données amène un vrai problème puisqu'on a vu émerger de nombreuses études scientifiques contradictoires sur le sujet. Il s'agit d'un exemple qui démontre que les lobbies peuvent complexifier, voire fausser, le travail des parlementaires. On peut également prendre le cas de la NRA, le puissant lobby des armes aux États-Unis. Au lendemain d'une tuerie ayant fait 14 morts fin 2015, les sénateurs démocrates ont déposé un amendement visant à interdire la vente d'armes aux personnes n'ayant pas l'autorisation de prendre l'avion à l'intérieur et à destination du pays. 13 membres de la NRA se sont empressés d'activer leur réseau pour s'assurer que les sénateurs républicains rejetteraient cette mesure. Dans un même temps, ils ont demandé à leurs 5 millions d'adhérents de contacter leurs sénateurs pour qu'ils s'opposent à toute proposition visant à encadrer la vente d'armes. Sans surprise, le Sénat a rejeté la réforme, ainsi qu'une autre visant à élargir le contrôle des antécédents des acheteurs, pourtant soutenu selon les sondages à 90% par les Américains. Un scénario qui s'est répété au lendemain de la tuerie d'Orlando, ayant fait 49 morts. And maintain telling us how nothing is going to be done about it. I'm going to happily ask him how much money he received from the National Rifle Association. La corruption est aussi une dérive observée dans le lobbyisme. Par exemple, en 2018, le New York Times publiait la liste des noms de tous les membres du Congrès américain ayant touché de l'argent de la NRA. L'apparition d'Internet a également impacté leur stratégie. Avec la prolifération d'informations sur la toile, il ne s'agit plus d'avoir le bon document au bon moment, mais de savoir dégoter les informations les plus pertinentes pour leur stratégie. Ensuite, il leur faut les synthétiser pour faciliter le travail du parlementaire en lui donnant un dossier directement utilisable. Sous la grogne des citoyens en quête de transparence, les politiques européennes tendent à mieux encadrer cette profession. En France par exemple, la loi Sapin 2 a enjoint les lobbyistes à déclarer leurs activités d'influence sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Le problème, tous les acteurs du lobbying n'ont pas jugé bon de s'inscrire, malgré une sanction pénale de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Autre point noir, les informations demandées ne sont pas encore assez précises. On ne sait pas par exemple quels décideurs politiques sont visés, par quel lobby, sur quel sujet. De plus, ce registre n'oblige les lobbyistes à déclarer leurs dépenses et leurs activités qu'à posteriori. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quel lobbyiste essaye d'influencer quelle loi au moment où elle est débattue.